something is just going. Oh, qu'est-ce que tu sens? Est-ce que de la même Marseille? Ouais. C'est vrai si tout fonctionne. Tout fonctionne, ok. Ah, c'est vrai que tout. Ok. Faut que ça fasse de temps en temps. Tu voilà. Viens voir, tu tiens. Hop. Dessiner sur le stream. Et je mets le carte. Comme ça, je pourrais voir qu'est-ce quel connerie vient dans le carte. Bar derrière cet immeuble. Ils servent les meilleurs cocktails de Manhattan. Si on prend la ville, je vous promets que je vous paie un verre. Enfin, quand? Quand on aura repris la ville. Ah, le voilà. Ok. Le reste de l'équipe devrait être dans cet hélico. J'arrive pas à croire que ça arrive enfin. The fuck?
C'est quoi ce coup de bâtard là? Attends. J'arrive pas à croire que ça arrive enfin. Mission accomplie, agent. Les meilleurs cocktails de Manhattan. Me lâchez pas maintenant! J'ai besoin de vous! Pardon. Quand on aura repéré la ville? Hé! Allez, tenez bon! Hé! Allez, tenez bon! Lâchez pas maintenant! J'ai besoin de vous! Bon, ça va, vous allez vous en tirer. Je crois même que vous êtes en meilleur état que moi. Et merde, le commandant a pas survécu à l'explosion. Nous, on a une mission et on l'accomplira coûte que coûte. On arrive c'est juste dans une que... minute! Vous devriez voir le point d'atterrissage sur ma droite! C'est déjà un petit peu plus sur la première vague. Certains sont morts et les autres sont portés disparus. Il ne reste plus que nous deux. C'est pour ça qu'il va falloir faire ça en équipe. Il n'y a aucune autre solution. JTF 6-8 à tour. Hudson en visuel. Ouais, j'ai deux agents de la division à bord. L'explosion, c'était leur hélico. Ok, prêt pour l'atterrissage. JTF 6-8. Normalement, il faut attendre avant d'être certain de pouvoir compter sur quelqu'un. Mais là, j'ai pas le temps. Je dois vous faire confiance. J'ai pas trop le choix. Et j'espère que j'aurai pas à le regretter. Bienvenue au pied du Hudson! Je sais vraiment pas ce que vous venez chercher ici! Tout ce qu'il y a derrière cette barrière, c'est une putain de zone de guerre! Qui commande les opérations ici? Capitaine Benitez! Il dirige l'évacuation du Madison Square Garden! On a perdu le contact avec son escouade ce matin! Si on n'a pas de nouvelles, on évacue! Je veux pas entendre parler de repli. On va reprendre la ville. Emportez tout ce dont vous aurez besoin. Je vous rattrape dès que je peux. Alors bonne chance. Vous allez en avoir besoin. Bizarre. Les relevés indiquent que cette zone est sûre. Oh, fuck you, donc là. Fuck you. Bon, reprenons. La base d'opération est attaquée par les criminels qui contrôlent le Madison Square Garden. En revanche, on ignore combien ils sont, et apparemment ils n'ont pas de leader. De son côté, la JTF est en mauvaise posture. Son commandant est sous le feu de l'ennemi, il y a des malades, des blessés, et on signale les premières désertions. Avant toute chose, nous devons récupérer notre base. C'est notre priorité absolue.
Ah, Marson. Hop, puis ça risque sans séparer bien. Vous avez mauvaise mine, agent. Désolé de vous donner encore votre travail. Meilleur plein de New York, c'est ici. On trouvera ça nous par ailleurs. Ah. Ouais, je sais comprendre maintenant. Ça bouge. Attention, vous allez quitter la zone de sûreté. Oh, Seigneur, c'est affreux. On devait recevoir un chargement de matériel médical aujourd'hui, mais on n'en a aucune nouvelle. Avec tous les malades qu'on a, vous voulez bien être un amour et essayer de le retrouver. Ah, ils sont en haut. Ah,
Attention, élément hostile en approche. Attention, ravitaillement sous feu ennemi. Attention, élément hostile en approche. Attention, élément hostile en approche. Je dois dire qu'on est tous très impressionnés par la facilité avec laquelle vous avez récupéré ce chargement médical. Je raconterai vos exploits à mon petit Benny quand je le verrai. Il va adorer. ¿Quién sabe lo que está escondido ahí? Elle est foutue, c'est mon écran. Centrale à toutes les patrouilles près de Chelsea. On nous signale une baisse de la pression de l'eau près de la 20e ouest. Allez jeter un œil avant de rentrer à la base. Attention, niveau de pression de l'eau critique. Attention, force hostile en approche. Attention, force hostile en approche. Allez, c'est le moment.
Attention, force hostile en approche. La pression de l'eau est revenue à la normale. Merci.
Welp. Non, 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 pas l'écran, pas le petit, pas petit. Fuck. Paramètres, vidéo. Est-ce qu'il y a bien qu'on vous aiderait?
Oh. C'est quoi au pied? Peut-être qu'il a sudé. Oh, vas-y, vidéo. Fenêtre et plein écran. F. Ok. Ok. Vous êtes sur le point d'entrer dans une zone de sûreté. Vous êtes sur le point de quitter la zone de sûreté. De gros bugs de connexion en fait. Se pourrait-il que leur serveur soit bien? Et ça, c'est une grenade. Ah, c'est quoi ça? Bonjour, cher auditeur. Vous êtes à l'antenne. Ouais, bah moi, je voudrais dire à tout le monde que tout ce qui se passe en ce moment, c'est pas la fin du monde ou je sais pas quoi, hein. La planète a existé longtemps avant nous et elle continuera d'exister quand on sera plus là. Je vais vous dire, on mérite tout ce qui nous arrive. On n'a pas su prendre soin de la planète, ni de la société, ni de nous-mêmes. Alors il n'y a rien d'injuste là-dedans. Si on a de la chance, cette fois ce sera juste un avertissement. Et les générations futures apprendront de nos erreurs. Ouais. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Et Dieu vous bénisse. À toutes les unités, des criminels ont monté un avant-poste sur la 29e Ouest. Il faut le reprendre. Oh. Je pense pas qu'on aurait réussi à les avoir. C'était facile.
Je pense qu'on va suivre le GPS en fait. Secondaire, une rencontre. Secondaire. Oh, attention, mon chou. Il y a un assassin en liberté. Quelqu'un d'horrible qui s'appelle Michel Mason. J'imagine qu'ils veulent que vous l'arrêtiez, mais promettez-moi de faire attention. Je vous envoie sa dernière position connue, mais ne prenez pas de risques inutiles. Le coup pour nous tous. Oh, ça peut être intéressant.
des gants. Peut-être intéressant. Ah, ben ça me montre pas remonter les gars. What the fuck? Attends, t'es pas un peu abusé toi? Ok, non, pas une prime. Deux grenades. Instant. Pourquoi la grenade? Hein? Attends, les grenades. Est-ce que c'est instant? En 3 secondes d'or, c'est en terre? Ok. On va. On va faire gaffe alors. Hé.
expliquez-moi ça là, hein. T'as un pistolet, hein, si on voit bien, non? Alors ça, grenade. J'attends. Hein. Je sais que tu la penses. Il paraît que vous avez trouvé tout ce dont vous aviez besoin. Félicitations. J'espère juste que vous n'avez pas de sang sur votre matériel. C'est le plus dur à faire partir. Ouais, plus de dégâts. Ah, ok. C'est bon. Allez-y, on vous couvre. Allez, on y va. Go, go, go. Rendez compte à personne. Allez, là, on se relâche pas. Est-ce que t'as vu le nouveau clip d'Aria ? Ouais, elle est mortelle. Très joli tir. Oh, attends, hop. Capacité.
Je commence à comprendre le truc. On s'endort pas, les gars. On a besoin de vous. N'oubliez pas. Oh, enfin ! Merci ! J'ai tellement de trouille ! Merci ! Il faut que je parte d'ici ! Très bien, mon chou. Vous avez pris double dose de vitamines aujourd'hui. On me dit que vous avez libéré les otages et qu'ils se dirigent par ici. Je vais leur préparer des sandwichs au thon pour fêter ça. Quelqu'un ici. Ah. C'est pas une bonne sauce qui se fait son masque, hein. Ouais, c'est pas une bonne sauce. Attention, vous êtes sur le point d'entrer dans une zone de contamination. À toutes les unités, on a une demande prioritaire de la part du SERA. Ils veulent voir comment le virus opère dans la zone de quarantaine de la 22e Ouest. Alerte, lancement de l'analyse de contamination. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il entre dans une bijouterie. Oh non, tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut rien dire du tout. Alors pourquoi il irait dans une bijouterie à 11h du matin, un mercredi ? C'est pas le genre à avoir une maîtresse. Alors pourquoi tu le suis ? Ok, c'est bon. Puis il faut que je regarde derrière.
avancement de l'analyse de contamination. C'était bloqué, hein. C'était pas censé aller là, comment? Ouais. Pas par là, prends vue. Oh. Alerte, lancement de l'analyse de contamination. Alerte, lancement de l'analyse de contamination. Quitter la zone de contamination. Par où est-ce que se plante ? Attends, parce qu'il y a là-haut. C'est trop pieux. Très obvious. Merci, agent. Nos médecins sont déjà en train de bosser sur ces données. Thank you.
J'ai rien de valeur sur moi. Je suis pas meilleur que en fait. Sauf qu'au début, ce qui fait que je suis meilleur que. Quoi ? Y'a un truc bizarre qu'à ce que vous et 24e ouest. Une patrouille se fait tirer dessus. Tenez! Tenez! Toutes les durées! D'accord? Attention, force hostile. Alors vous posez tout ça par terre et vous vous barrez. Allez, arrache tout. On va au garden. Ça sert ça. Il y a un truc à faire. Ok, je sais pas ce qu'il faut faire donc.
Bombay s'en est pris au consulat russe. Rien, ok. Eh ben, vous avez pas perdu de temps. Tout fonctionne maintenant. Oh, si seulement mon petit Benny était aussi débrouillard. Sera assistance, quelle est la raison de votre appel? Bonjour, je... Je sais pas comment vous remercier. Hé, hey, salut. On sait que la base d'opération est attaquée par les criminels qui contrôlent le Madison Square Garden. En revanche, on ignore combien ils sont, et apparemment ils n'ont pas de leader. De son côté, la JTF est en mauvaise posture. Son commandant est sous le feu de l'ennemi, il y a des malades, des blessés, et on signale les premières désertions. Avant toute chose, nous devons récupérer notre base. C'est notre priorité absolue. Max.
centrale, ici Phalo, agent de la division habilité et autorisé par décret présidentiel et par la directive 51 du DHS dans le cadre de l'opération Réponse Phase 2. Si vous m'entendez, on est attaqué. Il nous faut des renforts ici, nous envoyez... Ah ah, envoyez-nous tout ce que vous pouvez. Hé, hey, y a quelqu'un au moins? On arrive. Faites juste gaffe de ne pas tirer sur ceux qui vont venir vous aider. Terminé. Alerte. Connexion au canon radio JTF locaux. Unité 43, les renforts arrivent. Un groupe d'agents de la division se dirige vers votre position. C'est pas trop tôt, putain. Il sort de ses péchés. Foster, on a besoin de quelqu'un au niveau des escaliers. Martinez, tu vas sur le côté. Go, go, go! La situation est sous contrôle. Voici mon rapport officiel. Les gars de la division ont sauvé nos fesses. Merci pour le rapport, équipe Bravo. Heureux que vous soyez en un seul morceau. Faites attention à vous et bonne chance. Maintenant, on va reconstruire la base. Allez y jeter un œil. J'ai réussi à trouver un moyen de transport et je me dirige vers votre position. Ensemble, on va y arriver. T'aimes bien ça? On se prend. Ouais, mais non. Ok, good. Bonne nouvelle. Système de ventilation et de purification activé. Niveau de contamination en baisse. Agent, il faut que notre base soit fonctionnelle et que les habitants de New York comprennent qu'on est en train de reprendre la ville. Notre base d'opération a du potentiel, mais pour l'instant elle fait peur à voir et on n'a personne pour la staffer. Si on veut être opérationnel, on a besoin de pros, et vite. Des médecins, par exemple. Il y a une virologue qui gère un hôpital au Madison Square Garden. Mais la zone est un vrai bordel. Avec elle, on pourra rouvrir l'aile médicale. Sans elle, par contre... On a perdu le contact avec le commandant de la JTF, Benitez. Ramenez-le. Il nous le faut pour mettre en place le département sécurité. Et puis ce sera bon pour le moral des troupes. Il faut aussi qu'on rétablisse les services de base. On a besoin d'électricité et de renseignements. Il y avait un type qui travaillait dessus, mais il a eu un problème au cours d'une réparation. Sans lui, on est dans le noir. Isaac peut synchroniser la progression de chacune des ailes de la base, de manière à ce qu'on ait une meilleure idée de ce qui se passe. Plus cette base sera stable, mieux le reste de la ville s'en portera. J'ai quelque chose pour toi, crois-moi. Thank you.
Salut. Alors, comme ça, vous êtes un agent de la division, hein? Hein, super. Bon, essayez de pas trop faire attention au carnage qui nous entoure, ou au fait que tous ceux qui ont essayé de faire... Alors, autant rester positif. Faut quand même que je vous aide un truc. Pour l'instant, l'aile médicale fait peur à voir. Mais une fois que la virologiste sera là, on pourra monter une équipe, enquêter sur les origines du virus et obtenir plus de ravitaillement. Pour les civils. Mais pour nous aussi. L'aile technologique a connu des jours meilleurs. Mais si vous arrivez à ramener Rhodes, il devrait pouvoir faire des miracles. Il était dans une SMP avant, je crois. Et il en sait plus qu'il ne le laisse paraître. Je pense qu'il nous sera très utile. L'aile de sécurité a besoin de travaux, mais surtout du capitaine Benitez. Toute la JTF l'adore. Il peut les mobiliser et nous aider à obtenir les renseignements et les armes nécessaires pour accomplir notre mission. Écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle. Je pourrais pas vous accompagner, enfin, pas avec une jambe dans cet état. J'en fais un maximum depuis ici, mais c'est pas pareil. Je crois que vous n'imaginez pas à quel point je voulais être sur le terrain. Je me suis entraînée toute ma vie pour vivre ce genre de situation un jour. Mais c'est pire que tout ce qu'on a pu imaginer. Vous et moi, on nous a interdit de nous attacher à qui que ce soit, pour pas être perturbé le jour où on nous active. Eh ben, j'ai obéi. Et ça a pas marché. Je me sens impliquée. C'est mes compatriotes, c'est ma ville. Et on va la reprendre. Écoutez, il faudrait que... Oui, je sais. Je sais. Ils comptent sur nous. On peut pas les abandonner. Ok, ils sont fous, sont pas petits. Alors, en fait, je suis connecté, hein, bravo. Je sais pas pourquoi il est complètement bugué, mais. Je suis sûr qu'il y a la petite rame, bref, autre. Pendant 6 ans. Vous, vous avez peut-être regardé des séries américaines en vous touchant la nouille. Mais remettre un os en place, c'est... Vous foutez quoi? Il y a eu une attaque d'émeutiers contre le Madison Square Garden. La JTF et le CERA utilisaient le site comme hôpital de campagne. Mais des types armés sont arrivés et ils ont pris le personnel médical en otage. Nous avons besoin de ces otages. En particulier de Jessica Kendall, la virologiste en charge. Vous allez avoir affaire à de nombreux éléments hostiles. Ils retiennent prisonniers le Dr Kendall et ses assistants. Et nous avons besoin d'eux pour rétablir l'aile médicale de la base. On va rester ici pour couvrir vos arrières. Et on escortera le personnel médical une fois que vous les aurez libérés. Waouh. Vous arrivez à me donner accès au système de sécurité. Je devrais pouvoir localiser Kendall. Ah, il va falloir défendre. J'y suis. Voyons ce que je peux trouver. Vous voyez les images de la caméra de sécurité?
Apparemment, ils obligent Kendall et ses assistants à soigner leurs blessés. C'est la seule raison pour laquelle ils sont encore en vie. Hein ? Putain, bonne mission, elle est... Là. On dirait qu'il y a un groupe à l'étage, dans un restaurant. Attends, ils sont assez nombreux. Mais si vous restez à couvert, vous devriez pouvoir les éliminer sans prendre trop de risques. La prend sur moi, elle. Nouveaux éléments hostiles détectés. Attention, nouveaux éléments hostiles détectés. Ça, c'est pas très normal. Merde, c'est pas censé. Oups. Ils sont assez nombreux. Mais si vous restez à couvert, vous devriez pouvoir les éliminer sans prendre trop de risques. Je me demande comment ils font, pourquoi ils m'ont tué comme ça. Ah, et moi je suis très mauvaise zone, non ? Ok, on tourne pas le truc, c'est au moins.
quelques éléments hostiles détectés. Alda, quoi? Attends, comment il s'est fait avoir l'explosion? Ok, ça a l'air lésite ça. Non. Pourquoi attendre quelqu'un qui se prend une explosion dans la figure? Enfin, à côté de sa figure. Ils sont assez nombreux. Zéro. Mais si vous restez à couvert, vous devriez pouvoir les éliminer sans prendre trop de risques. Ok, j'ai pas le droit de mettre des balles avant en ville. Vos éléments hostiles détectés. Ouais, bah, avant tout, laissez-moi prendre ce bonnet là. Attention, nouveaux éléments hostiles détectés. Kendall et ses assistants se trouvent encore à l'étage. Ils sont retenus prisonniers dans la cuisine de Cobiz. C'est
Apparemment, ils ont complètement saccagé le Garden. Ça aurait brisé le cœur de mon père de le voir dans cet état. On venait souvent voir des matchs ensemble. Les relevés indiquent que cette zone est sûre. C'est une bonne chose que mes parents n'aient pas vécu assez longtemps pour voir ça. Mais quand je pense à tous les gens qui font ce qu'ils peuvent pour survivre, c'est pour eux qu'on se bat. Allez-y. Attention, vous quittez la zone de sûreté. Ah ah. Pour accéder au restaurant, vous allez devoir traverser plusieurs zones contaminées. Un grand nombre d'infectés étaient traités ici avant d'être abattus. Alors, prudence. Je peux pas tirer, je peux pas tirer là où ils sont. Oh. Ok. Attention, élément hostile détecté. Des tirs en provenance du toit. L'extraction des otages va être compliquée. Montez et éliminez les types qui leur tirent dessus. On est bloqué. Il faut que quelqu'un monte dégager le terrain ou on s'en sortira pas. À vous de jouer.
hostile en approche. Médical est en sécurité. Kendall et ses assistants sont sains et saufs. Aucune perte à signaler. C'est un excellent début, agent. J'aurais bien aimé pouvoir vous couvrir tout à l'heure, mais je pense qu'on forme déjà une équipe très efficace. Une fois que vous serez de retour à la base, il faudra qu'on parle à Kendall, histoire de voir comment elle peut nous être utile. Vous êtes sur le point d'entrer dans une zone de sûreté. Regardez qui est là. Merci de m'avoir sorti du Garden. J'avais déjà travaillé dans des conditions horribles, mais à ce point-là... Ouais, je sais. On peut pas dire qu'ici, ce soit beaucoup mieux.
Le matériel est dépassé, il y a zéro personnel, les files de patients n'arrêtent pas de s'allonger. Je vois pas comment on va faire. On fait de notre mieux, Dr. Kendall. Mais si vous avez un avis à me donner, je vous écoute volontiers. Ouais, d'accord, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, je sais. Ce qui compte, c'est de vaincre le virus, mais j'y arriverai pas si j'ai pas plus d'informations. Voilà une première piste. Le SERA est convaincu qu'un certain Gordon Amherst a quelque chose à voir avec l'épidémie. Génial. Quelle ordure. Je l'ai vu présenter un article à Columbia. Il a failli provoquer une émeute. S'il est bien impliqué là-dedans, je vais devoir lui parler. Trouvez-moi tout ce qui pourrait lui appartenir, carnet, ordinateur, et rapportez-moi ça immédiatement. Ah, et j'ai aussi besoin d'échantillons et d'anticorps. Allez, vous avez du travail. Et vous, vous faites quoi ? Moi, j'étudie ça. Et je continue de sauver des vies. Si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais m'y mettre. Ça, c'est de l'amélioration. Vous devriez augmenter vos tarifs. Bon travail, agent. Ces chambres de décontamination vont permettre de sauver des vies et d'arrêter la propagation des maladies. Enfin, un hôpital. Faut bien commencer quelque part. On a assez de personnel pour s'occuper des malades, mais on risque pas de manquer de boulot. Tu veux autre chose ? Fais-moi signe. Faites attention. Attention, vous allez quitter la zone de sûreté.
Ah. C'est bien ce que vous faites. Ok. Appel à toutes les patrouilles près de Penn Plaza. Il nous faut une extraction à Kerman's sur la 34e Ouest. Plusieurs otages sur place. Merci d'avoir sauvé la vie de ces gens. Je supporte plus de voir mourir des innocents. Les médicaments et les armes en provenance de l'extérieur. Le problème, c'est qu'il y a un groupe d'émeutiers armés et équipés d'explosifs qui essaient de traverser la zone de quarantaine. Il y a une garnison de la JTF qui fait son possible pour les en empêcher, mais ils sont dépassés. Et si les émeutiers font sauter les vannes, le tunnel sera inondé, la ligne d'approvisionnement sera coupée et un paquet de gens vont mourir. On a eu confirmation que Benitez était sur place. Du coup, il va falloir sécuriser la zone où il se trouve et lui faire regagner la base. Non. Capitaine, on va pas tenir! Il tire sur tout le monde! Bordel! Ah, là, c'est mieux. Ici le capitaine Benitez. Demande de soutien immédiat au niveau du checkpoint du tunnel Lincoln. Ces connards prennent le blocus d'assaut. S'ils font sauter les vannes, on va tous se retrouver sous la flotte! Oh,
capitaine. Ils se dirigent vers le tunnel. Ils tirent sur tout ce qui bouge. Bordel, ils sortent de partout. Les laissez pas passer. Pourquoi tu t'es levé? Pourquoi t'es pas passé à droite là? Sors l'endroit normal? Pas un gosse. Oh, ok, c'est rien fait le Samara. C'est bien que le film de mode protection dans ce jeu, ça marche que pour eux, pas pour nous. Ah oui, non, mais c'est Mito, vous avez fait ce tour de statue. Ah, ça. Ça, c'est un gros bâtard, ce Mito. Ça, c'est un coup de bâtard. Ça, c'est un coup de bâtard. Et ça, c'est encore un coup de bâtard. Pourquoi il double face à mon de perso? Hein? De ma faute, mais bon. C'est quelle arme là? Ok. Qu'est-ce que ça va être? Thank you.
secours. Bon, c'est pas censé. Capitaine Benitez, ici Thaylo. Nous sommes des agents de la division. On a éliminé toute menace dans le périmètre. Je vous ai donné accès à notre système de communication. Vous allez pouvoir envoyer du soutien directement là où c'est nécessaire. C'est une bonne nouvelle, mais j'en ai une mauvaise. Ces ordures ont réussi à passer et ils sont en train de mettre des explosifs sur les vannes du tunnel. Ils sont prêts à tout pour s'enfuir. Mais si les bombes explosent, vous savez comme moi ce qui va se passer. Démineuse s'occuper de cette bombe. Protégez-la. Faites gaffe aux Rikers pendant que je la désamorce. Attention, hostile en approche. Ah. En fait, oh non, c'est un Jessica. Ah bon, en fait, non, mais il y a un viseur, je suis con. Je
Oh, j'ai pris des coups. C'est pas passé loin. Ces connards sont prêts à tuer n'importe qui pour obtenir ce qu'ils veulent. Rejoignez-moi au centre de contrôle. Très saut. Comment ça va? Bien. Ce que vous avez fait au Garden a permis de sauver beaucoup de filles. Qu'est-ce qu'il nous reste? Comment ça va? Je sais pas qui vous êtes, mais bienvenue. J'espère qu'on peut compter sur vous et vos copains cette fois. Parce qu'il y a un putain de combat qui nous attend. Écoutez, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on a des agents de la division en backup. La mauvaise, c'est que les autres là-bas, ils vont pas... The fuck? Attends, j'ai... pas très bien, s'il te plaît, banco. Je pensais pas qu'une fois ça assez de me faire tuer à travers le mur. Allez, réfléchir avant! Allez, on l'entend.
Ok, tirez pas sur vous. Attends, la hit de ses bottes est insuffisante, mais la hit des ennemis est stupide. Peut-être parce que. Enfin, les ennemis sont insuffisants, mais toi t'es stupide. Peut-être parce que les bottes ont pas. Attends, mais... Ok, on va te retirer son arme alors. Eh, il tire bien très mieux encore lui. Je sais pas comment ils font. À croire de la mise, ça sert à rien dans ce. Ah, quelqu'un peut mieux peut me dire comment je suis mort là, c'est aussi. Hein. C'est écrit, je sais. Mais. Ça ne dit pas comment il m'a évité. Hein. Oh mon dieu, maintenant il est là. Y'a pas une institution où tu d'armes? Non, parce que... Ah bah quand on se dit qu'ils sont des imparfaits, ils sont plus des imparfaits. Yep, yep. Les murs servent à rien dans ce. C'est du métal, il faut tirer à travers. Ça va pas tirer à travers, vu que c'est pas où ils sont et que ça tout le temps où je suis. Non, pour ceux qui trouvent pas qu'il y a un problème. T'as plus que le véhicule explose hein.
intéressant de côté en fait maintenant. Pour ça. Et ce n'est pas de hit. Ok. Faut avoir une en bas, il peut me viser quand même. Voilà, c'est ouf. Ah, procède. Attention, il y a un sniper ennemi un peu plus loin. Ouvrez l'œil. Par contre, il faut que je récupère un peu tout ce stuff qu'il y a par terre. Hop, ça allait, ça tue, putain. Ça sac à simulateur 2019. Je sais pas quand il est sorti, mais...
Oh, et en plus, c'est à ça comme allié, hein. Reste là, perso. Ouais. Je suis foutu si le jeu... Ah, ton arme n'est pas furtif. C'est pas pourquoi il est rappelé comme ça. Deux. C'est pas un sniper tyrannique? Non. Non, c'est un putain sniper aimbot. Attends, non, c'est toutes les armes que c'est un sniper aimbot. Ça serait plus facile si c'était en normal, hein. Mais j'aime bien s'ouvrir. Oh, allez, yolo, bruit de force. On me dit que la menace a été éliminée. Alors je vous dis merci. Mes gars vous disent merci. Et tout New York vous dit merci. Je me dirige vers la base avec une escorte. Venez voir quand vous y serez. Beau travail. S'ils avaient fait sauter les vannes, on aurait perdu une des principales lignes d'approvisionnement. Maintenant, Benitez peut retourner à l'aile de sécurité. On se retrouve là-bas. Hop. Confirme la réussite de la phase 1. X. Agent, on a récupéré un enregistrement vidéo plutôt gratiné. Ces émeutiers valent pas mieux que des animaux. L'eau devrait vous l'avoir envoyé.
Ne. Eh ouais, c'est ça le business. Comment ça servirait à ces autres trucs de cet équipement? Approchez-vous. Le capitaine Benitez nous a trouvé du café. Oui, j'ai réussi à récupérer ce que Carman avait mis de côté. Bon, on est responsable de la zone qui va de Midtown au Lower Manhattan. Parce que absolument personne ne peut quitter l'île, nous compris. Mais notre plus gros problème, c'est encore le manque d'effectifs. La plupart de ces quartiers sont actuellement occupés et sous le contrôle d'éléments criminels. Rikers, nettoyeurs, gang. J'ai pas assez d'hommes pour reprendre un quartier, encore moins pour maintenir l'ordre, du coup... Ces ordures sont libres de voler ce qu'ils veulent, de tuer qui ils veulent, simplement parce qu'il n'y a personne pour les arrêter. Ce qui veut dire que c'est à nous de nettoyer cette partie de l'île. Si on veut que les habitants aient de la nourriture et des soins. J'en sais rien. Mais vu la taille de la zone, et le nombre de tarés qui se baladent, je suis pas sûr que vous ayez les épaules pour gérer, sans vouloir vous vexer. J'ai pas envie de vous jeter en pâture à une meute de loups. C'est nous, les loups, capitaine. Je sais, je sais. Mais peut-être que vous pourriez convaincre la division de vous envoyer plus de gars. Pour le moment, il n'y a que nous. Il faudra vous en contenter. J'arrive pas à croire que je mets ma ville entre les mains des fédéraux. Dès qu'on a des infos, on vous tient au courant. Bonne chance. Il vous en faudra. Parfait. On va enfin pouvoir sécuriser le périmètre comme il faut. Merci. J'adore. On va enfin pouvoir agrandir notre brigade canine. Ça va nous permettre de localiser des civils en difficulté et des caches de matériel. Je peux pas louper ça. Je suis à... presque. Je suis de tout cœur avec vous. Quelque chose te fait envie? La prochaine fois, d'accord? Dire à celui ou celle qui m'a envoyé ici d'aller se faire foutre. Il est terrible ce matos.
Oh, je vais arrêter là. Parce que j'aurais peut-être un petit peu solo et... Bref. Bye.